Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ces jolies petites plumes. Donc vous choisissez les couleurs de votre choix pour faire un dégradé, plus la couleur noire pour faire les petites rayures. On va aussi avoir besoin de nos lames, j'ai pris la lame souple et la lame rigide, et d'un rouleau. Donc avec les couleurs que vous avez choisies, vous allez faire votre dégradé. Ensuite, vous allez venir étaler la pâte noire de la même épaisseur que votre dégradé. Donc maintenant, dans votre dégradé, vous allez couper des lignes horizontales et vous allez placer des lignes noires entre chaque. Bref, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ça sera peut-être un peu plus clair. Un petit coup de rouleau pour que tout soit bien adhéré, qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Ensuite, ce dégradé, vous allez le couper dans son milieu. Et après, en triangle. C'est pareil, là je pense que les images, je vais y arriver, parlent d'elles-mêmes. Donc ensuite, on va faire comme la technique du chevron. On va prendre deux triangles opposés et on va les inverser pour obtenir justement le motif chevron. Et on repasse encore une fois un petit coup de rouleau. Et ensuite, il n'y a plus qu'à découper notre plume. Ou bien alors, tout autre motif que l'on veut. Donc maintenant, on vient apporter quelques petites finitions. On vient aussi réaliser une semelle pour que ce soit plus joli de dos. Et voilà le résultat, c'est déjà terminé, c'était vraiment très très facile à faire. Donc j'espère sincèrement que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à me montrer votre résultat, ça me ferait vraiment énormément plaisir. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros poutous, et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !